Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'ObjectifNews.tv. Nous recevons ce soir le président régional de la Fédération des travaux publics, Bruno Cavagnier, bonsoir. Bonsoir. Alors Bruno Cavagnier, vient de se clôturer cette semaine les portes ouvertes dans les écoles sur la promotion des métiers des travaux publics. Vous préparez les générations à venir ? Écoutez, en tous les cas, nous essayons, puisque depuis des années, nous formons, nous incitons les jeunes à venir dans nos métiers. Et le fait de venir dans les écoles, leur expliquer ce que sont nos métiers, le fait de les amener sur nos chantiers pour voir un petit peu ce que l'on réalise, on espère que ça leur donnera envie, en tous les cas, de venir nous voir, de travailler avec nous. En tout cas, ces portes ouvertes sont bien plutôt fonctionnées. Elles ont eu lieu dans tous les départements, dans les lycées, où les professionnels sont venus vraiment apporter des témoignages et des explications sur une filière quand même qui a connu une année 2009 très difficile. Et quand on regarde les chiffres, on voit que Midi-Pyrénées a plus souffert que la moyenne nationale. Oui. Globalement, une année 2009 compliquée avec un début d'année catastrophique puisqu'on n'avait quasiment pas d'appel d'offres qui sortaient. Ils sont un petit peu sortis au fur et à mesure de l'année. Globalement, on est sur des chiffres nationaux d'un recul de moins 6, moins 7%, alors qu'à Midi-Pyrénées, on attend les derniers chiffres, mais on va être autour de moins 15%. Donc une région fortement impactée. Il nous manque des grands chantiers, Bruno Cavagnier. Ah, mais ça, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'il nous manque des grands chantiers. Parce que quand on regarde en région Midi-Pyrénées ce qu'il y a, il n'y a quasiment rien, à l'exception de la RN88, du doublement de la RN88. Après, tous les grands chantiers que nous avions sont terminés depuis longtemps. On a des travaux, un peu de travaux sur le tramway de Toulouse. Et puis c'est quasiment tout. Sur le plan de relance de l'État, on avait un petit bout sur Aubiette, la liaison Auch-Aubiette qui est en train de démarrer, un petit bout sur Axe-les-Thermes qui est en train enfin de démarrer. Mais pour vous donner un ordre d'idée, le plan de relance de l'État, c'est 20 millions d'euros sur 2 milliards d'activités dans les travaux publics. Autant vous dire que c'est marginal. On ne vit pas vraiment avec ça, non. Alors pourtant, vous êtes une filière très dépendante de la commande publique et des collectivités locales. Vous avez tiré la sonnette d'alarme, on se rappelle très bien, l'année dernière auprès de nos élus. Alors c'est justement la campagne des élections régionales. Est-ce que c'est l'occasion, vous, pour toute votre fédération, de tirer la sonnette d'alarme de nouveau et de les inciter à lancer de grands projets dans cette région? Ce qui est clair, c'est qu'effectivement, l'année dernière, nous avions beaucoup communiqué sur notre plan de relance qui finalement était des 450 projets qui représentaient 1 milliard d'euros, qui étaient des projets qui étaient dans les cartons. Et je pense que grâce à ça, on a eu quand même de l'activité qui ne démarrait pas, qui a démarré. Cette année, aujourd'hui d'ailleurs, j'étais avec le président Malvy, puisque nous avions un bureau dans le Lot, pour lui faire part de nos inquiétudes quand même, notamment à cause de la taxe professionnelle, de la réforme de la taxe professionnelle et de la réforme des collectivités locales, savoir si, dans ce contexte un peu particulier, les collectivités locales, et notamment la région qui investit beaucoup dans les travaux publics, continueraient à investir en 2010. Bon, sans être d'un optimisme béat, je pense qu'encore en 2010, au moins pour la région, ils vont continuer à investir. Par contre, on sait déjà aujourd'hui qu'au niveau des collectivités locales, on va être à moins 1,5 au niveau national, avec de fortes disparités. C'est-à-dire qu'on nous dit la région, les communes ou groupements de communes devraient être à peu près à zéro, moins quelque chose. Par contre, suivant les départements, on risque d'avoir de fortes baisses au niveau des budgets départementaux. Alors Bruno Cavagnier, le grand pari quand même fait par la profession l'année dernière, c'était tout en étant à, de l'ordre de moins 10% au niveau de l'activité sur les Pyrénées, vous avez maintenu au mieux, en tous les cas, de ne pas dégraisser les effectifs des entreprises, puisque vous seriez en termes d'effectifs de l'ordre de moins 2%, je crois. Oui. Est-ce que c'est tenable longtemps, cette équation? C'est une bonne question. Ce qui est clair, c'est que nous avons un secteur où on a à peu près 80% de PME. Et quand une PME embauche, forme, et notamment des jeunes, puisque je vous le disais tout à l'heure, nous essayons de faire venir des jeunes dans nos professions, on n'a pas envie de les voir partir. Donc on a beaucoup travaillé, on a beaucoup fait d'efforts pour garder ces jeunes et moins jeunes dans notre profession. Alors c'est vrai que nous avions l'intérim qui nous a aidés, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup d'intérim, et bien on a réduit énormément les intérimaires. Aujourd'hui, on est à un niveau bas.
On continue à faire le dos rond, mais pour répondre à votre question, non, ça ne sera pas tenable très longtemps, d'autant plus que le corollaire de tout ça, c'est un niveau de prix catastrophique. À partir de 2009, n'ayant pas de marché, de vision de ce qui pouvait se passer, les entreprises sont parties dans une spirale de prix dont on ne sort pas. Et très honnêtement, si l'année 2010 continue comme elle est aujourd'hui, ça va être très très difficile. Alors je ne veux pas dire tous les ans, ça va être difficile, mais c'est vrai que le niveau de prix que l'on a aujourd'hui, quand vous avez des entreprises qui répondent à moins de 30%, c'est intenable. Alors Bruno Cavagnier, est-ce qu'on peut imaginer dans votre filière que cette conjoncture amène à une concentration, c'est-à-dire la disparition petit à petit de petites structures qui ne peuvent plus se maintenir et exister sur le marché? Vous savez, quand ça va mal, c'est plutôt ceux qui ne vont pas bien ou qui sont malades qui disparaissent les premiers. Et aujourd'hui, le poids économique est tel que ce sont les petites structures qui en pâtiront. C'est-à-dire qu'elles n'auront pas les réserves suffisantes. Et quand je vous parlais à l'instant de moins 30 ou moins 40% sur des appels d'offres, c'est intenable. Les grosses PME, les grands groupes seront les derniers à pâtir de cette situation. Donc c'est pour ça que j'ai attiré l'attention aujourd'hui, je vous parlais du président Malvy et des élus qui étaient là, sur ces appels d'offres qui partent à des prix complètement déraisonnables. Alors certes, ce n'est pas les élus qui font les prix, mais je leur ai dit attention, parce qu'à terme, effectivement, on pourrait avoir une concentration parce que les petites entreprises auront disparu. Merci Bruno Cavagnier d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir.